Debout sur une chaise, j'ai déchiré mon uniforme d'écolière et mes joues ont pris feu comme des fraises. Mes mains tremblaient comme des ailes de papillon, mes yeux lançaient des rayons laser. J'avais chaud, j'avais froid. J'ai sauté au-dessus du vide avec un baiser inachevé dans le cou. Mon compagnon n'était pas encore arrivé, j'ai fini seule dans un jardin potager, près des fragiles salades. Je leur ai dit, venez avec moi à la mer. Ma solitude m'a emmenée au cinéma, je me suis noyée dans le visage de Garbo, n'ayant ni piscine ni téléviseur pour mes jeux. Ma mère a déclaré que le temps était clair. Elle a choisi un jour de fête pour mes châtiments immérités. C'est pour cela que je restais en compagnie des anges et des fourmis, et aussi avec un enfant de 7 ans, mort depuis, sans laisser de traces. Un jour, à la radio, on a dit qu'il avait reçu 2 balles dans la tête. C'était à Ségon, le jour où la guerre a pris fin. Les balles venaient de directions opposées, la perfection politique est divine dans son absoluté.